Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Qui pique au point cap domine l'actualité dans le journal là? Nega Gozam Nameyo, qui identifie comme membre coalition gang Genève en famille et allié, te prend la rue, Port-au-Prince, hier jeudi 1er juillet 2021, le gagnant Jimmy Cherizier, qui posait un barbecue, te manifesté dans paquetterie, dans la capitale pays à Port-au-Prince, avec Gozam, la guerre Nameyo, et t'a voué en pile parole montée, pour annoncer, pour le piller, et puis à mettre du feu dans toute institution publique, tant que privée, qui est passé. Bureau intégré Nations Unies dans le pays d'Haïti qualifié son exécution brutale, double assassinat qui fait contre journaliste Diego Charles dans la Radio Vision 2000 avec militante Marie-Antoinette Duclerc dans la nuit 29 pour 30 juin 2021 dans Chris Roy. Pendant ça, ça, Premier ministre haïtien pour Tiboutan, Claude Joseph Fomette pour gouvernement liant ben réponse à groupe terroriste qui fait action ça sous citoyens paisibles. Premier ministre a rappelé, c'est pour première fois, modèle crime ça a fait en deux pays, pendant presque juin, une entente politique entre pouvoir et opposition. Parole docteur Claude Joseph, qui est ministre pour Tiboutan dans le pays d'Haïti. Directeur général pour Tiboutan, Soubopal, dans la police nationale à Léon Charles, fait qu'on est, déjà identifié plusieurs monde dans le groupe fantôme 609 ans, qui commettent des assassinats, qui fait en Delma 22, à Chris Roy, dans la nuit 29 juin, côté que, les journalistes Vision 2000 ans, Diego Charles, ensemble avec militante politique là, Antoinette Duclerc, qui perdit la vie. Dans Zile Lagonave, porte-parole groupe haïtien pour développement Zile Lagonave, Gadi Paulson Sayul, fait qu'on est, il y a un pile qui a cassé sous avenir pays d'Haïti pendant la dénoncé Zak fusillade qui passait dans Port-au-Prince mardi 29 juillet 2021, côté qu'il y a une quinzaine ou bien 22 moun qui est arrivé perdu la vie en babal criminel assassin. Responsable Uniforce, dans Balati Bonitan, Charlene Thompson, dit président mandat fini en Jovenel Moïse, pas qu'une capacité pour le diriger pays d'Haïti, pour ancien magistrat Thompson, pour voir, pas qu'une contrôle sous gang, et c'est ça qui la cause, il a fait, ça est ouvert en dans pays d'Haïti. Directeur Institut Bien-être Social à Recherche, dans le département de la Tibonite, maître Sindéjean, fait qu'on est qu'à viol, continue à répéter chaque jour plus dans le département, principalement dans la commune Gonaïve. Merci de déclarer, lui recevoir dans le bureau, lui ont visité 14 l'année, qu'il y a un individu qui a 18 ans, qui a fait ça viol sous lui dans la localité d'Olan, qui est dans la première section communale Gonaïve. Dossier examen baccalauréat, directeur départemental éducation nationale dans le département de la Tibonite, professeur école Renoir, rassure élèves que examen à la portée, côté à encourager, pour aller sur le site ministère de l'éducation nationale, là, pour être capable de garder sous qui thème examen à dérouler à Nessa. Avec dossier manifestation dans le journal là, pour nous, plusieurs examens, gros amis nommés qui identifiés comme membres coalition groupe Genève en famille et alliés à main, yon main tout, ils manifesté dans le capital pays en Port-au-Prince, hier jeudi 1er juillet 2021. J'ai entendu annoncer ça, non point presse que Jimmy Cherizier, qui c'est chef gang Genève en famille et allié à Débaï. Merci à vous. Pendant la manifestation ça, manifestation était exhibée, en pile gros amis de guerre était lancé, en pile parole Pimambouk, qu'on était annoncé, pour le piller et pour le mettre du feu dans plusieurs business en bas de la ville là, dans Port-au-Prince. Nous avons gang cap dirigé par Jimmy Cherizier alias Barbecue, hein, ils font démonstration de force hier jeudi, hein, comme il était annoncé mercredi 30 juillet 2021, hein, chef coalition gang là, qui nommé Genève en famille et allié ou accompagné avec plusieurs autres chefs gang avec l'autre soldat qui sorti un peu partout dans la capitale pays en Port-au-Prince. Ils étaient dans tête une grosse manifestation qui a déroulé hier jeudi 1er juillet 2021 dans la capitale pays en Port-au-Prince. Tout d'abord, manifestants ont été réunis dans mi-temps journée dans Cité Soleil. À partir de là, il te fait gros rassemblement, ancien policier, t'es venu avec l'autre chef gang qui se tient un peu partout, t'es Jimmy Cherizier, alias Barbecue, t'es adressé à partisans, lui, qui t'es massé tout autour de lui, mais il t'a attendu discours qu'il t'a fait en faveur, quand il t'a annoncé qu'il aurait pillé
ça gagne dans la capitale et surtout yo pral retirer machine sacrée pour yo particulièrement Nissan Patrol dans pour yo t'a lancé menace contre pouvoir contre acteurs politiques dans opposition contre membres secteur privé des affaires là et contre travailleurs la presse barbecue t'a encouragé partisans pour attaquer véhicules de luxe j'en dis déjà particulièrement Nissan Patrol j'en dis dans discours là banque commerciale yo entreprise privée avec l'autre encore manifestant yo qui était encagoulé, yo t'ap montré gros âme la guerre que yo gagné, yo t'ap chanté à gauche déployé, yo t'ap viré dans plusieurs rues dans commune Cité Soleil, dans Delma avec dans capitale pays en Port-au-Prince, notamment yo pas gagne qu'une opposition force l'ordre, la police pas mettre point de pied face à manifestation ça qui t'a fait dans capitale pays par Genève en famille et allié que Jimmy Cherizier alias Barbecue, yo montré que la police a cherché t'a fait dans capitale pays en Port-au-Prince. Face à menace pillage avec incendie qui t'a proféré par gang Genève en famille et alliés sur entreprise privée qui situe dans Badelma sur route aéroport avec l'autre côté encore dans capitale pays en Port-au-Prince institution ça va découvrir chez les portes bien bonheur puis renvoyé employé la caillou. Toutefois manifestation gang dans capitale pays était faite avec une passivité totale de la police nationale pays d'Haïti qui pas mettre aucun pied pour devenir ni sécuriser manifestants ni pour t'arrêter Jimmy Cherizier alias Barbecue que la police dit qu'il a mandat d'ailleurs comme on qui impliqué dans plusieurs massacres dans la capitale pays en Port-au-Prince, dans Belé, dans Cité Soleil, dans La Saline, puis après tout ça qui passait également dans la zone Fontamara avec Martissan. Donc c'est comme ça la situation entière. Hier jeudi 1er juillet 2021, Jimmy Cherizier alias Barbecue à gang Genève en famille et allié était dans la rue à 5 qu'elle sauté, sans bruit, sans compte, il t'a pris la rue avec gros armes, il t'a exhibé un peu partout et puis il t'a annoncé il t'a pas fait pillage, un pillage qui pas de guetant, rivé fête parce que institution de courir faire un porte bien bonheur et il t'a voyé employé rentrer la caille. N'a signalé pour vous chaque fois qu'il y a manifestation et population ou bien opposition, la police toujours présent pour le tirer et ou encore lancer gaz lacrymogène contre monde qui manifeste yo dans la capitale pays en Port-au-Prince. Alors que hier, manifestation faite dans plus grande passivité, en quel monde, pas de qui a sauté, la police pas même présent, voire pour être venu voyer gaz lacrymogène. On a quitté de ces manifestations hein, pour aller dans la réaction continue à tomber sur les assassinats qui fait dans la capitale pays en Port-au-Prince, particulièrement dans la commune d'Elma, dans la date 29 juillet 2021, que Dieu fait quoi, il y a 22 personnes qui mourent, mais la police nationale dit que c'est 15 personnes qui mourent dans les assassinats qui fait en série dans la capitale pays en Port-au-Prince. Fanzo, il y a un bureau intégré Nations Unies qui qualifié de exécution brutale et arbitraire, situation passée sous journaliste Vision 2001, Diego Charles, ensemble avec militant politique clan, qui c'est Antoinette Duclair, lui-même, qui sont porte-parole mouvement politique qui est les Matrice Libération. Zak fusillade ça au fait dans la nuit mardi 29 juillet 2021, côté que situation ça la guerre gros qui est cassé en dans pays hein, côté grand pile réaction qui a commencé à tomber, gen Radio Vision 2000 même qui ferme salle des nouvelles li depuis mercredi passé hein, yo campé sur toute information en dans salle des nouvelles là sauf de bagay circonstanciel, yo changé programmation correctement mais musique sous qualité musique qui a joué après assassinat qui fait contre reporter Diego Charles qui mourit dans la nuit mardi 29 juin 2021 voilà Kali dans zone Chris-Roi. Nous avons un bureau intégré Nations Unies, gain plusieurs autres encore, n'a tourné sous dossier bureau intégré Nations Unies, n'a toujours gagné premier ministre haïtien pour un petit bout de temps, donc le coach Joseph qui criait pendant l'étape participé dans une rencontre avec la presse. Et jeudi 1er juillet 2021, sous fusillade qui était faite dans Delma 32 dans la nuit 29 juin 2021 côté la police confirmé gain 15 monde qui mourit en babal, mais gain l'autre monde qui fait quoi gain 22 monde qui t'a mouri dans zak fusillade ça qui passait dans zone Delma à Chris-Roi dans la nuit mardi 29 juin 2021. Premier ministre haïtien, pour un petit bout de temps, Dr. Claude Joseph promet pour le gouvernement lien bah, réponse à groupe terroriste qui fait action sa yo sur citoyens paisibles. Premier ministre l'a rappelé, c'est pour première fois modèle crime sa yo fait pendant les presque juin une entente politique entre pouvoir et opposition. Dr. Claude Joseph fait connaître Antoinette Duclair qui mourit assassiné. C'était des amis, pendant les voyages, toutes ces parties, les familles, amis, moun, qui mourit dans le drame, 29 juin 2021, dans Port-au-Prince. Premier ministre haïtien, Dr. Claude Joseph, a apporté précision dans une conférence pour la presse, les bails, hier jeudi, 1er juillet 2021. Nous consternés devant attentat terroriste qui produit par un groupe terroriste qui bail tête sur nom, Fantôme 509, dans la nuit 29
pour arriver 30 juin. Attentat ça qui passait en Delma 32 à Christoie. Groupe terroriste qui relait tête sur fantôme 509 touillait plus passé 10 citoyens paisibles pour nous piquer environ 15 monde en zone Delma 32 à Christoie. Nous coubons bien bas devant les amis et famille victimes. Nous connaissons là-dedans une militante féministe, une journaliste qui relait Madame Antoinette Duclair. Et un autre journaliste, un jeune garçon, qui relait Diego Charles. Conférence de presse, ça, t'as triste en pile. Si m'te permettre, chaque grand monde, chaque monde qui est victime, yo, on s'en mis, yo, vient parler de yo là. Chaque monde qui mourit, yo, si yo t'es un grand monde qui vient parler de yo dans la conférence, ça, on t'a comprendre, peut-être, niveau, dimension, drame là. Mais comme, pas gain une logistique appropriée pour ça, quittez moi-même, comme premier ministre, m'parle nous de youn ou de la dan yo que m'te connais. Antoinette Duclair, que tout le monde connaît sous nom Netty. C'était Zamim. C'était plus que Zamim. C'était un sœur. Il n'a pas jamais hésité au moment. Pour le monde, il est dans le même secteur politique avec eux. Pour le dire, Claude Joseph, c'est Zamil. Le monde qui est ministre des Affaires étrangères, c'est Zamil. Le monde qui est premier ministre à IA, c'est Zamil. Youn respecte l'autre. Youn respecte l'engagement l'autre. Parfois, youn farouche l'autre. Sous position politique, youn discute avec l'autre, mais nous tous toujours été entiers. Netty, c'était une personnalité transversale. Netty, c'était un monde qui tolérant, mais qui intègre. Quoi dans ça, la goumen contre lui. Nous pas toujours partagé même l'idée, mais Netty était entier. C'est un ami qui a assassiné. Pendant moi-même, c'est le premier ministre. Diego Charles, grâce à Netty Duclair, nous t'ai gagné au niveau d'amitié. Pas gagné plus pas une semaine. Nous t'ai ensemble, la caille moins, dans la résidence privée. M'pas toué, ça t'a fini. Chaque monde qui bien Netty connaît son ami authentique. C'est un bon ami. Il t'a dû en pile. Que Netty t'a mouru comme ça, et crime ça, que théoricien commettre là, t'a été impuni. Tout monde qui mouru, dans la nuit 29, pour arriver 30 juin, moi, ben, nous garantis. Crime, ça, après, t'es impuni. Moi, je voulais dire ça clair. Depuis 19e siècle, là, on a pratiqué une violence politique. Depuis 19e siècle, là, on a pratiqué une violence politique systémique. Dans le pays, là, qui va mener nous aucun côté. Nous touillés, nous boulés, nous pillés, nous pas respecter la vie. Et de plus en plus, chaque fois qu'il y a une crise politique profonde, il y a un secteur qui pensait, c'est avec violence, qui a imposé volonté. Nous tous en Péréa, nous sautons parler à président, nous tous docteurs, nous tous paix, nous tous pasteurs, simples citoyens, juste pour agenda politique et un secteur. En 1999, nous tenons une grosse crise même Jacques Jodia. Pas un parlement, c'est un gouvernement haï. Et puis pendant le pouvoir, on branche dans l'opposition, presque joint nos solutions. Ils ont tiré le sénateur OPL là, qui c'était Jean-Yvon Toussaint devant la CAELI. Dans le jour qui était 1er mars 1999 là. OPL, pour aller retirer col dans la négociation, il pour aller dire pas négocier sous 100 sénateurs de touye. Mais l'histoire pour aller dire nous comment sénateur ça a été mort, qui est-ce qui t'a touye pour empêcher de gagner un gouvernement avec René Préval, un gouvernement d'Union nationale. 3 avril 2000, pendant le pays a préparé l'élection 21 mai 2000, force fait noyau, la guerre Jean-Dominique à terre. Je ne jodi a, pendant un rapport au EA sorti, pendant possibilité pour un accord politique pointé devant nous. Donc, pour nous avoir un gouvernement qui sorti dans le consensus, dans la tête qui a un premier ministre définitif, force fait noir, décider de mettre deuil dans la population. Nous condamnons Zach Sayo, et j'aime ce que dit tout à l'heure, Zach Théoriste, dans la nuit 29 pour arriver 30 juin, pas prêter un pile. Vous avez écouté le premier ministre haïtien, Dr. Claude Joseph, qui a réagi sur les assassinats qui fait sur environ 15 de monde dans la capitale pays, pas de presse, dans un Delma Christoie, mais que l'autre monde qui fait quoi, il y a 22 monde qui mourit. Là-dedans, il y a un journaliste Radio Vision 2000, Diego Charles, ensemble avec militante politique Antoinette Duclair, que tout le monde connaît, qui est porte-parole, matrice, libération, au mouvement politique, qui est dans la tête, Don Kato,
ancien sénateur pays. Il y a un directeur général pour un petit bout de temps, police nationale, Léon Charles, qui fait qu'on a déjà identifié plusieurs monde dans le groupe Fantôme 609 qui commettent des assassinats dans Delma 32 à Kisroa dans la nuit 22 juin 2021. Côté journaliste Vision 2000, Diego Charles, avec militant politique Antoinette Duclair, perdit la vie. Léon Charles dit la police là a pris toutes dispositions qui sont nécessaires pour faire mieux capable de joindre justice. Léon Charles t'a parlé dans Micro La Presse. Profiter de l'opportunité ça pour me présenter ce patin à tout journaliste qui l'a eu, qui perdu mon collègue dans l'événement que n'a prêté là. Sans ne pas entrer dans trop de détails pour ne pas nuire le déroulement de l'enquête là, mais nous allons dire exactement position de la police là sous action criminelle ça. Mais m'a profité pour me dire, depuis quelques semaines, la police a lui-même en tant qu'institution, c'est sur attaque bandit. Nous avons perdu deux inspecteurs divisionnaires et trois policiers jusqu'à présent, n'a pas cherché quoi. C'est dans le contexte que nous apprenons, dans l'après-midi du 29, que le porte-parole du syndicat SPNH 17, ex-policier, il a été assassiné dans Delma 32. Nous déplorons à criminel ça, assassinat ça. Parce que la police, rôle nous, c'est mener enquête, chercher mon qui concerné et remettre la justice. Mais dans le cas ça spécifiquement, pendant que la police a mené enquête, a vérifié ça qui passé, syndicaliste là, dans la matinée du 30 juin, de minuit à une heure, des bandits, assassinés lâchement de simples citoyens qui t'a vaqué à occupation, yo, dans la zone la caillou. Premier élément qu'elle l'a dit, c'est des alliés de Gerbi Geffrard qui concoctaient tuerie ça, fusillade ça. Et éléments qui commettent crime ça, yo, il y a certains là-dedans qui étaient identifiés, les yo paraît dans la zone, dans la rue des Salines, côté que t'es combat, côté mon yo qu'on et à belle activité au la nuit et indifféremment monsieur yo, balayer tout le monde qui t'a passé tout le monde jeune garçon qui t'a joué domino dans moment ça yo sorti tout le matin 3 yo rentré dans le matin 2 yo rentré dans rue des Salines spécifiquement côté allié yo t'es assassiné yo balayer monde yo progressé dans le matin 32 viré dans rue Acacia c'est là bab pour bab yo rencontré avec journaliste là et collègue yo assassiné yo. Il est mort, Jean Gadi, Jean Corrier, apparemment, il était identifié assassin, yo, et il a exécuté au final. Ça qui passe, c'est 509, fantôme 509 qui fait. M'a rappelé nous rapidement, qui ça fantôme 509? À l'époque, pays lock, monsieur ça, armé, en uniforme, t'es pris habitude, ou à terroriser population. On songe, qui ça passé dans le ministère finance, le ministère justice, FAES, dans toute la rue, pour presse, nous, même en tant que journaliste, paisible citoyen, depuis 509 dans la rue, tout le monde peut. Moi, venu. En tant que directeur général, moi dit, a fait policier, ancien policier, bandit, en uniforme, terroriser la population pour une campelle. Effectivement, prendre mesure pour une campelle. En nous songer, ça a passé 5 février 2021, côté même élément ça, assassiné, policier SWAT, Patrick Anouzard. En nous songer, ça a passé le 22 mars, pendant policier, moi-même en tant que commandement, m'a essayé de remonter moral policier après 12 mars, en deal, ils ont frappé à nouveau. Et ils ont assassiné lâchement policier Pierre-Richard de Ludmo. Ces éléments de 509 ne sont pas à leur coup d'essai. La police tape suivi. Et certains là-dedans qu'on prend déjà. Crime qui causait, que vous perpétrez dans la nuit du 29 au 30, moi-même en tant que directeur général, pas de chambre, penser que des citoyens haïtiens étaient une capacité pour exécuter de paisibles citoyens avec une telle cruauté. 509, nous vivons sous nous déjà, nous tapons dormi, on assassine fait, au lieu de quitter la justice fait travail. Nous bah être nous justice. Même si, peut-être nous, la police, la pays, communauté internationale, la pas prendre ça dans nous, moi-même en tant que commandant-chef, avec toutes les dernières ressources que j'ai gagnées, tout temps que j'ai gagné, toute information que j'ai collectée, m'a privé sur nous. Moi, j'ai pour devoir, pour me stopper ce bain de sang. Nafel, nous commençons déjà, quel que soit côté, dans le cachet, sur la planète-là, dans petit espace que j'ai gagné, en tant que pays, comme citoyen, nous voulons faire travail là pour nous donner une réponse. Et me dit, il y a des gens qui disent, pour qu'ils savent rapidement, la police vient d'identifier l'assassin, parce que les assassins ont toujours été connus, la police a suivi. La police a continué à suivre, pour que, en dehors de toute activité qu'a faite pour semer le deuil et le trouble sur le territoire là, pour la police avec moyens que le gain, accompagnement, gouvernement, à Bali, continue à Bali, appui, population, pour nous dire ensemble, en tant que société, c'est pas ça que nous choisissons. En tant que société, c'est pas ça que nous voulons. Nous voulons un pays qui est stable. Nous voulons un pays que chaque citoyen qui a vaqué
à l'occupation. Rôle de la police, c'est protéger et servir, même dans les conditions les plus difficiles. Policiers, c'est le dernier monde qui peut camper. Policiers, comme premier protecteur du citoyen, ils supposent camper. Et en tant que commandant-chef, tout autant que bien grâce à ce dôme, par un dôme, nous avons collecté des informations pour que nous baillons les familles des paysibles citoyens qui tombent, justice, traquer les gens, remettre à la justice. Vous avez écouté le directeur général de la Poutiboutin, la police nationale là, Monsieur Léon Charles, qui a réagi sur cette fusillade qui passait dans le Crissois avec un Delma, mardi 29 juin 2021. Sous Bopali, dans Zile Lagona, votre parole groupe Action pour développement Zile Lagona, là, Gadi Paulson, ça y est, fait qu'on ait un pile qui est cassé sous Avenue, pays d'Haïti, pendant la dénoncée de cette fusillade qui passait dans Port-au-Prince, mardi 29 juin 2021. Côté, il y a une quinzaine de monde, pour Pipiti, qui perdit la vie, en babal criminel. Parmi eux, il y a un journaliste Radiovision 2001, Diego Charles, avec un militant politique Antoinette Duclair qui se porte-parole Matrice Libération. Porte-parole Gladys Glan mandé pour tout le monde faire un sel pour combattre insécurité cap par le terrain dans le pays d'Haïti. Don Reynolds, c'est correspondant à Radio Pyramide sous l'île de Gonave, là-bas nous plus de détails. Porte-parole groupe Action pour développement Zile Lagonave Gadi Paulson Sahil dit gain en pile inquiétude sous avenir pays après ça qui passait Delma 32 à quelques autres zones dans soirée 29 pour arriver 30 juin 2021. Côté plus passé, il y a une dizaine de monde, joignent la moyo parmi eux, confrères nous, Diego Charles et Antoinette Duclair. Porte-parole Gadigla mandé tout le monde, mettez-vous ensemble pour combattre Zak Bandio et puis mandé autorité dans le pays à travailler pour fermer robinet sans sila qui pas jamais suspend couler. Paulson, ça y est. Ça n'a pas fait dans le pays là, ça grave. Parce que, et nous pas arrêter pour perdre une équipe jeune, c'est vos pays, comme ça. C'est une équipe jeune, monde d'ap mourir. Et bandit aujourd'hui, tu as dit, mais qu'il va aller temps pour vivre. Et c'est bandit qui dit, mettre temps pour vivre, mettre temps pour pas vivre. Et nous pas arrêter de garder comme ça. Nous pas arrêter de garder comme ça. Si la police pas qu'à prendre responsabilité, mais faut que chita, faut que nous entendons, faut nous parler. Moi, faut que nous parler. L'État pas qu'à regarder. Et ouais, mon ap moui. Ok. Nous qui sommes des civils. Ok. Nous équipe mon ap pays, hein. Moi, je dis à son tête ensemble pour jouer tout le monde pour chita ensemble, pour avoir nos solutions, pour bâiller bandit au monde et pression. Pas qu'il était bandit, abdouiller mon cousin dans le pays, abdétruire mon, détruire toute jeune, nos équipes jeunes. Quand des journalistes qui mourent là, puis sont policiers, puis c'est encore 13 combien de monde mourit, ou bien 12 monde. Non, jour, non, nuit, on la journée pour tout le monde, ça y est, à détruire, à mourir. Faut que nous ayons une solution parce que le pays, c'est pour nous lier. C'est là, nous, qu'à vivre. Nous, pas qu'à arrêter à garder. Nous, pas qu'à arrêter à garder bandit, à détruire, monde, à tuer tout petit. De mes CV, bandit à arriver sur vous. De mes CV, à arriver sur moi. Parce que t'as un côté, pas privé. Parce que bandit, à ouvrir le pays, nous, t'as une aide au Kembe pays, pour finir avec toute petite, population. Paulson Sahil. Porte-parole Gadigla fini pour dire jusqu'il est machine l'embossi là après si joigne un chauffeur qui pour freiner lui. Yon question, capitaine réponse toute autorité qui concerne yo dans pays. Depuis commune en Sagalé, Lagonave, Doré Reynold, Radio Pyramide FM. Merci Doré Reynold. On a toujours été dans le dossier réaction qui gagne sous sac brutal qui passait dans la nuit de mardi 29 juillet 2021. Côté gagne journaliste Vision 2000, Diego Charles qui perdit la vie, ensemble avec militante politique Marie-Antoinette Duclair, dans date dans mardi 29 ou 30 juin 2021. Nous avons le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti qui qualifié d'une exécution brutale et double assassinat qui fait sous journaliste Diego Charles avec militante politique Marie-Antoinette Duclair, qui tous les deux qui gagnent 33 ans dans la nuit de 29 ou 30 juin 2021. 21 ans, Christoua. Dans ce sens, Binut, il présentait sympathie à toute proche et à famille de Mounsao, ensemble avec tout autre monde qui tue également, dans le même jour soir, dans Delma 32, avec dans toute zone, d'après ça, Binut déclaré sous compte Twitter. Exécution brutale, activiste Marie-Antoinette Duclair avec journaliste Diego Chalin, c'est le bagage qui choque en pile, c'est le bagage qui inadmissible, d'après déclaration, note qui sortit dans Twitter, Bureau intégré Nations Unies, dans date 30 juin 2021. Il y a plus passé 10 monde qui tue dans la nuit 29 ou 30 juin 2021 dans Delma 32, avec environ, d'après notre binuant, qui profite de présenter condoléances à toute famille victime, et demander à autorité en d'un pays, autorité compétente, pour prendre toute disposition nécessaire
militaires pour capable poursuivre auteur yo crime qui là yo qui fait dans la nuit 29 pour ouvrir 30 juin 2021 côté dit que plus passer 15 monde qui mouri mais que l'autre monde qui fait quoi gain environ 22 monde qui mouri dans assassinat ça nous grain nuit sorti Christ roi rivé dans zone Telma 32. Toujours sur le même dossier, hein. Gagné responsable Uniforce dans Balade Tibonite, là. Charlino Thompson, qui dit président, mandat fini, hein. Jovenel Moïse, pas gagné aucune capacité pour le diriger pays, hein. Pour ancien magistrat Thompson, pouvoir, pas gagné contrôle gang, yo. C'est ça qui la cause, il a fait ça, vous voulez, n'arrivez tirer la vie, moun, j'ai ouvlé, l'ai ouvlé. Coordonnateur Uniforce, hein, Charlino Thompson, m'a des populations, hein, pour le rester mobilisé. Ministre Madeus. Coordonnateur Uniforce, dans le département de la Tibonite, là, Charlino Thompson, critique équipe PHTK qui sous pouvoir lui dit qui mettait à genoux devant bandi yo côté entouré bloqué l'air ouvlé sans bagain en ken mezi qui prend pour t'empêcher yo faire population haïtienne dans souffrir comme ça. Ancien magistrat commune Saint-Maclache Alain Thompson mandé qui sa autorité mandat fini yo après régler sous pouvoir pendant faire connaître peuple haïtien pas de espérer rien. Non, mais équipe ça qui sous pouvoir. Donc, sans un gouvernement qui montait incapacité là encore aujourd'hui, donc, nous croyons que non, mandé avec responsable dans l'État, à partir de mon président, c'est le président Jovenel, parce que le mandat est fini déjà. Donc, pour assumer responsabilité, parce que c'est Yogi là, d'autant plus, nous condamnons sans réserve et quantité de monde qui mourit, et un journaliste comme Diego Charles, hein, Antoinette, hein. Tout le monde ça qui mourit avec tout l'audio, nous condamnons ça sans réserve. Parler de référendum, comme on peut parler de référendum, on demande des populations en sortie, pendant que les populations Matisse, Fontamara, Kafou, et 3e Avenue, Bolo, Village de Dieu, toute zone ça a un président qui a dirigé. Est-ce que bon conseil électoral dans la zone ça a fait élection pour eux? Même, on ne comprend pas ça. Donc, laissez à nous demander à la communauté nationale là, qui a contrôle le bagage là, pour suspendre faire hypocrisie ensemble avec nous, parce que c'est une bonne hypocrisie, c'est amis Haïti, et pourtant, c'est pas plus gros ennemi Haïti, je veux dire là, c'est la communauté internationale là. Responsable Uniforce là, Charles Thompson, mande population à Tibonicienne là, pour y avoir été mobilisé, et puis il te tout voué condoléances by famille, collègues, ancien président CSPJA, Maître René Sylvestre. Pour le directeur de l'Institut Bien-être Social à Recherche dans le département de la Tibonite, mais aussi des gens qui connaissent, car vous allez continuer à répéter chaque jour dans le département de la Tibonite, principalement dans la ville de Gonaïve. Mais si vous avez déclaré, vous recevez dans le bureau, car vous avez fait 14 années, vous avez individu, vous avez dit qu'il y a 18 années, t'a violé dans la localité d'Olan, première section communale Gonaïve. Maître Sindéjean, il voit le dossier ça, n'importe quelle juridiction qu'on arrive la poursuite légale. Dans l'autre bord, directeur Ibers, là, profiter d'énoncer, monde qui a fait tentative pour négocier avec violer, yo. Côté, il fait qu'on est, la loi interdit ça. Comme ça, Maître Sindéjean, tu vois, yon pinga, by avocat, qui a fait pratique ça, pour camper parce que la loi a frappé, yo. Maître Sindéjean. C'est qu'on y a, ou pas, un côté, là, jeune garçon, qui a fait jeune fille, dans la rue, ou au moins, le fait que, yon moun violon moun, li vin kote m, mande le juge ou commissaire gouvernement, li dim li weli, eh bien, journaliste qui vin kote m, pou m parle de ça, fom m parle de ça. M pa besoin konnen moun kap di, fom te wè pa rien. Or, yon décision qui est sorti, avec la ministre, avec les deux doyens du département de la Tibonite, Mette Massillon et Mette Fonny Charles, incluant le commissaire du gouvernement, conditions féminines et bien-être social, nous marchons dans tout tribunal de paix dans le département de la Tibonite pour nous dire que yo pas doué traiter question viol. Viol pas négociable. C'est seulement faire formation préliminaire pour le droit tribunal civil là. Et si on parle comme volet qui ou yo violé petit tout ou a négocié y a faire tout. On connaît gon mettre qui dit que me pas pour voir ça et bien y a faire tout. D'abord c'est ou négocier viol. Parce que si mon nom, lui qu'on devenu, le devenir de l'enfant sera très heureux. Maintenant, si mon nom carne pas de bagaille, même j'aime tout le monde carne pas de bagaille, si mon nom carne pas de bagaille, eh bien, les viols l'a passé, mon qui fait ça, y'a de pinil. Des bons mondes font mal comme ça, y'a de pinil. J'ai un gars sur ça, qui viole si mon 14 ans ça, fait au pinil. Et m'a pas prendre l'autre nom, mais personne. Ma l'école passe, moun kap di nou sa yo, ma l'école passe yo. Okay. Ma l'école passe, moun ki vle di, mi sa pou fè yo, yo met mande si yo bakonem, ma l'école passe yo. Et
protection son bail étudié. Maintenant, des bons mouns, c'est violeur et violer petit moun. Comment faire respect? Comment moun qui respecte ou faire? C'est moun 14 ans, c'est moun 15 ans, c'est moun 16 ans, c'est moun 17 ans pour virer. Y'a pas une bonne femme qui est dans la rue, allez café. Allez nous cabaret, y'a une femme pour y'a dormir, pour y'a faire tout bagay. Mon pas capable de vivre petit moun comme ça. Comment c'est comme ça pour dire? Non! N'importe pas monde qui fait la ma farito. Médecine de nous connaissons un cas, un viol, une demoiselle, un policier était violé dans qui fasse dossier. Bon, moi-même, je suis retiré dans le dossier ça parce que je suis ouais, pour ne pas comprendre, monde qui dit attaché à la protection, ne pas comprendre faire. Moi, je suis retiré comme, et madame n'était pas laissé à madame Lisette, n'était pas, et maman, si mon nom, madame Lisette, n'était pas allé, n'était pas là avec tout, pas trop bien. Eh bien, moi, je suis retiré comme dans le dossier ça. Maintenant, je connais le commissaire gouvernement, tête à votre dossier dans le cabinet de décision, mais si mon yo, yo passe en bas, yo prend copie, yo va pas intéressé, dignité petite par yo à pas moins qui démène ça. Mais moi, je dis ça encore, n'importe parent qui vient dans le cabinet social, ou vient pour tout plaindre. Et puis après quoi, nous, et le commissaire gouvernement, nous avons une provision légale pour ça, il y a fait tout. C'est 20 ou 20 petits toits. C'est 20 ou 20 marchés, 20 petits toits, il y a une provision légale. Souvent, si on a 18 ans, nous ne pouvons pas reconnaître. Mais dès que c'est 13, 14, 15, 16, 17 ans, ou entrer dans ma salle, en compromis ça, n'a pas arrêté par an. Est-ce que ça veut dire que tu as une négociation? Ah, il y a une négociation, monsieur, quand tout se fait par l'argent. Pas rien fait sans l'argent. Tout se fait par l'argent. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. Ou le violon, nous connaissons, nous ne pas négocier sans l'argent. Parce que depuis avant tout, maman, nous avons dit, il dit pour demander 20 000 dollars. Tout le monde te fait ça. Nous ne sommes pas intéressés. Maintenant, je voulais parler de ça qui passe aujourd'hui. Si mon salvin là, si mon 14 ans là, violé là. Quand il y a un dossier à la commissaire gouvernement, là, il fait suite des doigts. Mais moi-même, pour me dire, mon n'importe qui, qu'est-ce que vous avez fait? Faire mentir sur le monde, faire complot sur le monde, n'a pas rien à faire, non? Tout le monde connaît mal l'école. Même pas que personne m'a pas dit que non, mais personne. Qui veut son espèce de procureur? Un monde qui a un exam ou pas pour force, tant tout, bah, vous connaissez. Qui a un viol, eh bien, moi-même, madame là, faut-il toute jeune qui demoiselle marcher comme ça? Vous avez écouté médecine des gens, directeur départemental, institut bien-être social à Crochet-Chelan, qui a réagi sur le cas viol, qui a une nette augmentation dans le département de la Tibonite, et particulièrement dans la ville Gonaïve, quand un jeune fille 14 l'année, t'es subi, Cadéjac, en bas main, un jeune garçon, 18 l'année, dans la commune Gonaïve, particulièrement dans la localité Dolan, dans la première section communale. Nous allons parler de ces éducations, pour nous directeur départemental d'éducation dans la Tibonite, professeur École Renoir, fait qu'on est dans période examen officiel, qui va dérouler dans tout le département. Il y a déjà défini un protocole sanitaire conforme à COVID-19 là, pour les élèves qui pourraient subir examen officiel 9e année fondamentale. Il y a un peu de disposition qui apprend dans cet examen yo, qui va gagner un pile élève là-dedans. Le directeur départemental là, demande pour élèves de mettre masque pour protéger tête yo, sinon yo pas capable de rentrer dans salle d'examen. Dans tout siège, les élèves, surveillants, a besoin de l'eau savon pour laver main avant de rentrer dans sa classe. École Renoir, c'est directeur départemental, l'évasion dans le département la Tibonite. La pandémie COVID-19 l'a frappé pays nous sérieusement. Nous avons plusieurs cas de mortalité, plusieurs mondes, un peu de monde a infecté. Donc ça a interpellé le ministère. Et nous-mêmes, nous avons pour devoir définir un protocole sanitaire qui permette que si nous sommes composés sans que nous ne pas infecté. Et sans que vous pata et arriver même contaminer l'autre monde. Donc c'est pour nous dire tout d'abord Anissa n'a pas gagné plus salle d'examen parce que salle d'examen qui est habituée prend 28 à 30 candidats, il prend 18 à 20 candidats. C'est vrai c'est des salles d'examen et standard, nous connaissons, nous connaissons déjà, nous habitués à faire examen dans yo. Mais cependant, Anissa nous sélectionné l'école côté que salio gagnait et salio et plus aéré, d'accord, c'est une façon pour nous capable de respecter distanciation physique là en dans salle d'examen et gagner tout masque cap disponible. Mais cependant nous demandons tout candidat pour yo porter masque. Et si vous n'avez pas un masque, vous n'avez pas accès à la salle d'examen. Ni surveillant, ni responsable centre, ni superviseur, on dit tout acteur qui concerne des examens l'État, faut lui porter masque. Le port du masque est obligatoire. Vous avez un tout
Jean nous te fait déjà dans la reprise d'activité scolaire, nous te distribuer des seaux d'eau, savon, chlore, et bien nous avons assuré nous que le centre d'examen est mini de ingrédients sales. De telle sorte que le candidat lui-même est capable de laver les mains avant même. Pas seulement candidat, non, même dit tout le monde qui a une implication dans l'examen. On a veillé à ce que le protocole sanitaire soit respecté pour que nous limitions considérablement le risque pour gagner des cas de contamination par COVID-19. Deuxième point que nous voulons garder, c'est consigne. Conseil ministériel est toujours porté sur texte d'examen qui dit téléphone cellulaire interdit, calculatrice programmable interdit, ensuite nous avons bon, port d'âme, donc tout ça interdit, et documents écrits, etc. Tout ça est interdit. Donc c'est pour nous dire à la veille examen même, nous avons bien justement et des flyers qui rappellent les candidats les différentes consignes. Et maintenant, en troisième point, nous voulons parler de fiches examen disponibles dans le département. Je pense que c'est un gros effort qui fait dans ce sens-là parce que tu as eu un pile de difficultés sur question fichier par rapport avec passation du marché. Donc, c'est au niveau central. Mais nous-mêmes, au niveau la Tibonite, nous faisons le nécessaire pour que fichier présent. Cependant, directeur de l'école a commencé à retirer fichier. Nous gagnons à Nissa 23 324 candidats qui vont participer dans l'examen. Certainement, sur les 16 BDS. Bon, peut-être si nous avons connu combien de candidats par BDS, nous sommes capables de détailler ça après. Mais cependant, et nous gagnons, j'aime souligner là, 23 324 candidats qui répartissent dans 16 BDS que le département a gagné. Donc, et plusieurs inspecteurs principaux passent et retirent les fichiers déjà. Bien entendu, l'école qui en règle avec le ministère là, mais l'école qui peut copier l'inscription, mais qui a un balance quelconque, vous gagnez pour vous passer dans BNC et pour vous acquitter. On a écouté professeur École Renoir, qui est directeur départemental éducation département de la Tibonite, qui plus loin, rassurer élèves que l'examen est à la portée, qu'on a encouragé pour y aller sur le site ministère de l'Éducation nationale, pour capable garder sous qui thème texte examen a déroulé. Une autre part, directeur départemental, École Renoir, fait étudiant connaît dans sa guillemette pour avec dossier sécurité, c'est toujours même principe qui qu'est étudiant, pas servi avec téléphone pendant déroulement examen, mais une disposition qu'a prend avec la police pour définir un plan sécurité pendant tout moment examen officiel. Professeur École Renoir, pour une deuxième fois, dans le micro, Alain Etienne. Nous voulons dire candidat, il n'y a pas besoin d'inquiéter. C'est un examen certainement cap à la portée, comme d'habitude. Et c'est dans ce sens, si y a les sous-sites ministères, il y a capable de les thèmes clés. Et c'est à partir de thèmes clés qui découlent des contenus programme ministère que l'item examen a choisi. Donc site ministère, donc il est capable d'aller sous lui et il a besoin et donner ça. Et jusqu'à présent, il est capable de continuer à garder tout et suivre des cours à travers son smartphone yo, et si aller sous et plateforme pratique et pratique là. Et pratique là, donc il y a des cours qui sont disponibles sur YouTube ou bien sur site ministère là. Maintenant, sur le plan sécuritaire, c'est toujours même méthode là, c'est que d'habitude nous toujours gagner des agents de sécurité dans le centre d'examen yo. Et nous-mêmes nous gagnons pour devoir, j'en nous habitué faire et j'en nous fait déjà chita ensemble avec la police, avec autorité locale yo, avec la police nous définissons un plan de sécurité et dans majorité centre pour ne pas dire tout a gagner un agent policier qui préposé. Donc moi je pense que heureusement nous capable dire ça dans la Tibonite dans niveau insécurité dans capitale là, nous pouvons atteindre niveau ça à bord ici, mais diriger c'est prévoir, c'est ça que fait, non pas négliger aspect ça, donc nous avons gagné justement la police qui accompagne nous comme d'habitude et nous profiter féliciter dans le département la Tibonite à travers tout examen que nous réalisons déjà, ils ont toujours fait un bon travail et nous espérons y a fait un gros travail, même gens ont habitué à faire. Et nous avons un commissaire gouvernemental qui est toujours informé, nous fait ça, donc je me dis là, c'est toute autorité. Mais, plus grosse sécurité, c'est
chaque parent, chaque élève, chaque acteur. Même parce que direction de départemental là, nous sommes séparés et nous-mêmes nous décréter la permanence. C'est ça qui explique la présence nous là depuis bien bonheur pour nous justement mettre les points sur les i. Fiche 9e année fondamentale, parce que examen 9e année, c'est le même qu'a fait avant, l'a commencé lundi 12 juillet, pour arriver 14 juillet. Alors 9e année, l'année dernière, nous avons gagné environ 26 à 27, ma songe chiffre là bien, mais nous avons gagné plus que 26 000 candidats. Année, nous avons gagné 23 324. Donc bon, des pétitions quand même. Bon, mais il y a plusieurs raisons capables d'expliquer ça. Faut que tu aies une étude même qui est capable d'expliquer la cause des pétitions scolaires là. Nous identifions par rapport avec certains rapports qui expliquent devant nous. Donc nous estimons vraiment bon, des pétitions scolaires et nous constatons là à travers le nombre de candidats qui nous ont gagné. L'année dernière, et ça nous gagne aujourd'hui. Vous avez écouté le directeur départemental de l'éducation, hein, École Louis-Noir, qui a réagi sur la question examen cabinet, disposition qui prend, dans l'affaire COVID-19, également sur qualité examen qui a gagné. Il fait quoi que l'examen a à la portée élève, et l'élève qui doit monter sur cet examen hein, pour voir qui j'en examen pour le dérouler. Toujours dossier éducation, le directeur de l'école mais François dans Balatibonite dans Saint-Marc, Père Watson lui qui m'a des parents yo, pour développer plus responsabilité envers petit yo. Selon Père Watson lui, depuis un élève qui était l'école congréganiste, aucun autre école en d'un pays hein, pas capable recevoir yo pour y aller suivre Resco. Nous avons écouté Père Watson lui qui t'a parlé dans le micro collaborateur nous Milson Madeus. Et gain un protocole d'accord nous fait entre nous et Mayo et puis Payo, donc collège James Tye et ici là IMPF Saint Alvir et Frère Hervé. Donc si tout le monde là dans l'école ça yo et puis yo mettait dehors admis ailleurs, donc nous pas capable accueillir ici là parce que il était dans l'école congréganiste et pour raison pour l'autre mais pas qu'à Kembel. Donc depuis admis ailleurs c'est que soit ou bien élève là et insupportable, ou bien il est là, pas qu'à bailler rendement, ou bien il est là. Bon, grand raison quand même, problème disciplinaire. Donc, si problème ça a opposé l'autre bois, et puis, mais à trancher, nous-mêmes, nous pas capables d'accueillir l'élève là pour même problème le bois à le poser. Donc, nous agissons ça parce que nous sommes seuls. Bon, oui, nous sommes seuls. Et puis, nous voyons signal tout, bah, élève, pour l'organe chance d'entrer dans l'école, ça y est. Ou gain pour météo disponible pour discipline respecter parce que sans discipline on ne peut rien faire. Comment l'éducation est dans l'école ça mon père? Bon c'est pas moi qui pour dire lui ou passer là-dedans ou petit ou passer là-dedans, c'est assez de haut niveau. Donc jusqu'à date l'école congréganiste qui c'est congréganiste national ou bien congréganiste presbytéral, donc c'est de haut niveau, c'est l'école ça qui top, c'est pas nous qui deal, donc fait yo là, résultat yo là, donc nous gagnons et possibilité à travers la discipline, la rigueur pour nous faire élève yo by meilleur de eux-mêmes. Donc c'est pas moi-même, c'est un constat que l'école ça mieux. Sous ta commission spéciale pour parents et puis élève yo, c'est là bien vrai. Eh bien, message spécial, c'est-à-dire parents pour les responsables, parce que c'est aussi nos parents de responsabiliser, de démotiver. Donc, en plus, fois, c'est les vieux qui baille le ton, c'est les vieux qui dit parents, ça ouvre, ça ouvre fait, ça ouvre fait. Donc, nous demandons parents pour prendre responsabilité, bon côté les vieux, sinon, eh bien, c'est de la pagaille, parce que là, ces parents ont une responsabilité pour baille tout éducation. Pour lever tout le monde là, et non, société, tant que société haïtienne, là, si vous n'avez pas de discipline, si vous n'avez pas de bonne volonté, si vous n'avez pas de rigueur, m'a caché d'où, n'a toujours joué des jeunes, y'a pas des âmes, pour défendre, et pour tout le monde, pour aller en gang. Donc, nous demandons par eux, prends responsabilité comme parents. Mais qui pigou, point de table dominé actualité, hein, dans le journal là. Nèg a gros am nan men yo ki identifye tete comme membre coalition gang G9 en famille et allié te pran la rue Port-au-Prince nan
hier jeudi 1er juillet 2021, le tête de Jimmy Cherizier qui posait nos barbecues était manifesté dans le paquetterie dans la capitale pays à Port-au-Prince avec gros âmes, la guerre en main et t'a voyé en pile parole montée pour annoncer pour piller et puis mettre du feu dans toute institution publique tant que privée qui est passé. Bureau intégré Nations Unies dans le pays d'Haïti qualifié son exécution brutale, double assassinat qui fait contre journaliste Diego Charles dans Radio Vision 2000 avec militante Marie-Antoinette Duclerc dans la nuit 29 pour l'ouvrir 30 juin 2021 dans Chris Roy. Pendant ce temps, Premier ministre haïtien pour Tiboutan, Claude Joseph Fomette pour le gouvernement, liant une réponse à groupe terroriste qui fait action ça sous citoyens paisibles. Premier ministre a rappelé, c'est pour première fois, modèle crime ça a fait en deux pays, pendant que presque joignent une entente politique entre pouvoir et opposition. Parole docteur Claude Joseph, qui est ministre pour Tiboutan dans le pays d'Haïti. Directeur général Ponti Boutan Soubopal dans la police nationale à Léon Charles Fekonè, il a déjà identifié plusieurs monde dans le groupe Fantôme 509 là, qui commettent des assassinats qui fait en Delma 22 à Chris Roy dans la nuit 29 juin, côté que les journalistes Vision 2000 Diego Charles ensemble avec militante politique là, Antoinette Duclerc, qui perdit la vie. Dans Zile Lagonave, porte-parole groupe haïtien pour développement Zile Lagonave, Gadi Paulson Sayul, fait qu'on est, il y a un pile qui a cassé sous avenir pays d'Haïti pendant la dénoncé Zach fusillade qui passait dans Port-au-Prince mardi 29 juillet 2021, côté qu'il y a une quinzaine ou bien 22 mounes qui est arrivé perdu la vie en babal criminel assassin. Responsable Uniforce, dans Balati Bonitna, Charlino Thompson, dit président mandat fini en Jovenel Moïse, avec une capacité pour diriger le pays d'Haïti, pour ancien magistrat Thompson, pour voir, pas qu'un contrôle sous gang, et c'est ça qui la cause, il a fait, ça est ouvert en dans le pays d'Haïti. Directeur Institut Bien-être Social à Recherche, dans le département de la Tibonite, maître Signe des gens, fait qu'on est qu'un viol continue à répéter chaque jour plus dans le département, principalement dans la commune Gonaïve. Maître Signe a déclaré, lui recevoir dans le bureau, lui ont visité 14 l'année, qu'un individu qui a 18 ans, t'a fait ça viol sous lui dans la localité d'Olan, qui est dans la première section communale Gonaïve. Dossier examen baccalauréat, directeur départemental éducation nationale dans le département de la Tibonite, professeur École Renoir, rassurer élèves que examen à la portée au côté d'après encourager pour aller sur le site ministère de l'Éducation nationale pour être capable de garder sous qui thème examen à dérouler à Nessa. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour être capable d'attendre. Dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer cette cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son babes à chercher pour nous. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.